Ah, ils m'ont remis l'eau. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 11e épisode sur Tinikin. Nous sommes toujours perdus eh bien, dans les terres d'Ambrose. Nous allons devoir rebrancher notre petit grippin pour ouvrir la porte afin de récupérer ce qui se cache derrière et qui a été capturé. Il nous faut aussi encore trouver la clé pour ouvrir le frigo. Il nous faut ramener nos petits échantillons de popcorn. Ah, faut que je ramène mon popcorn. C'était dans le resto, je sais pas si c'est plus bas. C'était peut-être même peut-être par ici. Donc on va passer là. Je vais essayer de m'en débarrasser. Je me demande si c'était pas sur un meuble plutôt. Ah, il y a service postal. Ok, j'ai 4 courriers à trouver. Alors pour le moment on en a trouvé 0. Et je sais. Alors là c'est la ferme. Ouais, je sais que j'ai une livraison de popcorn à ramener. Et je sais plus si c'est dans un meuble ou pas. D'ailleurs là c'est verrouillé aussi. Ce meuble était verrouillé, on n'y avait pas accès. On va peut-être qu'on perchait ici avec mes Tinikin. Ouais, merci bien. Là je peux passer ici. Je garde l'entrepôt des taxes. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches pour être très riches. On m'a dit que si quelqu'un demande pourquoi, je dois juste taper dessus. Putain, je peux même pas passer par derrière. Non, je veux pas retomber les jeunes. Faites-moi monter à ma pile de Tinikin. On va passer par là. Voilà, merci bien. Comme ça, ça c'est fait. Il y a des framboises. Voilà, merci. Voilà, parfait. Il n'y a pas de courrier. Alors par contre, je peux descendre par ici maintenant. Vas-y, lâche la corde et saute. On va péter tout ça. Je vais récupérer les petits gâteaux. Ah, je peux pas lui en mettre, là. Eh, eh, par où t'es passé, toi? Je suis censé garder cette entrée. Je... Attends-toi une majoration et une lettre recommandée sous quinzaine. Ok, chef. Attends, je peux même descendre par là. Non, descends juste, t'accroche pas. Ou lâche. Donc, je peux ressortir par ici, maintenant. Et là, on a chopé masse pollen. Qu'est-ce qu'ils me disent? Fraude fiscale. Ok, petit succès, fraude fiscale. Ouais, on a dépouillé tout ce qu'il y avait ici. Donc c'est fait, je peux ressortir de ce côté. Et... Ah, c'était pas vers le micro. Si se trouve, c'est... Ouais, se trouve, c'est là-bas, carrément, en face. Alors, on va éviter de retomber dedans. Ouais, merci bien. On va aller livrer nos petits pop-corn. Ah, c'était juste là, avec la tasse. Je vais passer ici. Hop. Voilà, parfait. Mais c'est pas tout ce que je vous ai demandé. Attendez, cette odeur, cette texture. Oui, oui, oui. Je suis génial. Une nouvelle recette pour en mettre des étoiles plein les yeux. Tenez, pour avoir bien obéi, commis. Ok, donc là, ça va être un cadeau de... Monsieur Ébauche Sibylline. Ok. On pourra ramener ça au musée. Il nous en manque toujours 2. Pas trop de courrier pour le moment. Tant pis pour le régime. Trop bouffé. Eh bien, cette soupe, ce dessert. Ok. Donc, par ici, on avait tout chopé. Au-dessus, on y avait été aussi. Alors, passer par là. Faudrait que je retourne en face. Et après que je chope le sac de farine. Je sais pas si j'en ai assez, là. Ok, parfait. L'autre pan qui dort. Je peux peut-être y jeter. Il n'y a rien d'autre dedans. Donc là, vous m'apportez la farine. Là, on avait tout pris par là aussi. Bon, j'étais pas forcément dans l'envie de tomber, mais bon, c'est fait. Et eux, ils vont passer par ici.
Ok, alors peut-être que je fasse une rampe là. Je sais pas s'ils vont l'emprunter. Hein. Et pour aller en face, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, si, ils vont passer par ici. J'ai toujours mon tampon, là, la petite carte pour la fête à mettre également. Ah, parfait. Ah, on gêne. Ah, merci bien. Ah, je vais rester perché ici, mais sur l'arme. Je sais pas si je pourrais attaquer direct, là. Oh, attends, ils m'ont enlevé ma pile. Oh, vous abusez, là. Ah mince! C'est pas ça que je voulais faire, je voulais me faire un escalier après. Ah merci bien. Ah, je vais éviter de les appeler là, sinon on va se retrouver par terre. Franchement, je sais pas si. Ah non, c'est bon. Quand je reste dessus et que je siffle, ça ne m'enlève pas ça. Ah, on va s'occuper de la prise électrique après, vu qu'on est de retour ici. Et franchement, je sais pas où vont être mes courriers. Faut aussi qu'on continue et qu'on fasse le dernier étage. Par contre, en bas, zéro courrier. Hein. Donc là, on avait déjà ramené le sucre, les œufs. Je sais pas si avec la farine, ça va aller. S'il faut ramener encore autre chose. On va bien voir. J'espère qu'ils vont pas me jeter dedans. Avec la farine. Alors. Ok. Ah, donc ça veut dire qu'il manque encore un ingrédient. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Ah, tous les ingrédients. Ah, ok, si, on a tout ramené. Ah non, il manque la farine. Ok, ça c'est bon. Les œufs, c'est fait. Le sucre, c'est fait. Ah ouais, la levure. Faut qu'on aille choper la levure au-dessus. Ah ouais, les yaourts et le beurre dans le frigo. Ok. Et la clé du frigo se trouve au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Une fois tous les ingrédients réunis au fourneau. Ouais, ok, d'accord. On va aller par là. On va aller chercher le beurre et les yaourts. J'en ai plus des électriques. J'en avais tout à l'heure. Ah putain, non, c'est vrai qu'il faut que j'aille d'abord par ici. Alors ce qui est marrant, c'est... Enfin, bon, ce qui est un peu dommage, c'est que j'avais préparé toute ma ligne... quand on s'est quitté la dernière fois, histoire que j'en ai plus qu'un seul à brancher, bah ça n'a pas été maintenu, donc je suis obligé de tout recommencer. Peut-être me mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Merci. Voilà. Ok, donc maintenant je peux aller taper là-dessus. Ah, on peut aller taper là-dessus, c'est parti. Ah. Ça, on va faire griller notre petite tartine. Voilà, parfait. Bah écoute, on va essayer d'y aller direct. Hein. Est-ce que je t'avais parlé? Récupérer les yaourts et le beurre. C'est une autre paire de manches. Ok. Ouais, il est machin. Je sais pas ce qu'il m'a dit en dernier. C'est un gros cibule ne se sépare jamais de la clé ni de ses gardes. Ok. On va tenter. Et en deuxième, tu me disais quoi? Ils sont dans la chambre froide. Ouais. Le garde-manger privé des élites. Ok. Ok. Ouais, continuer. On peut peut-être déjà passer sur les burgers. Faites-moi monter s'il vous plaît. Ah, merci Bing. Ah, putain, je fais comment pour prendre toute cette série là? Et s'ils se sont tous pointés, je peux pas aller plus haut.
Oh, on va repartir de l'autre côté, messieurs dames, peut-être en passant sur les casseroles. Ok, on va passer par là. Donc là, on l'a mis, l'étiquette. Passons par ici. Je sais pas si je pourrais passer sur les stores pour aller de l'autre côté. On a déjà passé par là. Et je crois qu'il y a un courrier en plus. Ah, ok, comme ça, ça c'est fait. Donc ça, c'est le premier. Et il nous en fallait 4. Ah, il y a une petite bagounette à aller chercher. On va prendre déjà tout ce qu'il y a là. Et on va passer au-dessus après. Ne dites pas que c'est des tablettes de beurre, là. Non, c'est un paquet de pâtes. Du pollen. Et là, c'est tout. Et après, pour accéder à... au placard. Voilà, parfait. Je peux me refaire une petite pile. Et je peux frauder en passant comme ça. Voilà. On va prendre tout ceci. J'ai rien à placarder. Mais t'es le fils de Charles? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Argue. À qui crois-tu donc t'adresser, paysan? Je n'ai de Charles jamais entendu le nom. Allez donc, cessez de me poursuivre. Créneau. Chute. Va, il faut me laisser tranquille maintenant. Ok. Ok, ok. Bon, là, a priori, il n'y a rien d'autre. On va repasser là. Ok. Oh, si je pouvais taper l'hélice, messieurs, dames, ce serait formidable. Ça, tout ça, c'est fait. Et après, ce qui me donnera accès aux deux autres placards. Ok. Ce qui aurait été bien, c'est que je repique direct par là. Je m'accroche limite ici. On va péter ça maintenant. Là, comme ça, si j'ai besoin d'y aller. Et je vais me laisser tomber. Pas trop bas non plus. Je vais juste choper les deux boulettes. Oh non, vous abusez. Ah, oh, vous abusez. Je voulais repiquer sur la tranche à côté. Putain, je me suis cogné la tête dans le truc. Donc je veux... Putain, mais... Arrêtez de me faire sauter en dessous. Ah, puis avec tous les tinikins là qui traînent... est-ce qu'il y a moyen de sauter au-dessus? Voilà, merci. Donc on va prendre la petite feuille... Là, il y a d'autres petits œufs, on va les récupérer. Ok, je pensais que ça allait me libérer quelque chose de l'autre côté, mais en fait, pas du tout. On dirait une étiquette. Pour, comme bien sur les trésors. Mais je vois pas de trésor, quoi. À moins qu'il y ait un truc à ramener ici. Et là, il n'y a rien à faire, quoi. Il faut éteindre la bougie, peut-être, non? Donc là, il n'y a rien. Et j'ai pas mon truc à accrocher. Je pourrais passer chez eux. Mais en passant par au-dessus, ce sera peut-être plus pratique. Donc on va repasser par là. Et on va monter au-dessus. Ah, merci Bing. Donc déjà, je peux tomber là. On va aller parler à l'autre loustique avec sa bague. Il va falloir sûrement passer par ici. Donc, hé, hey, toi le pauvre. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de se mouiller littéralement. Ok. J'utilise ce tunnel pour mes affaires. Et un de mes associés a oublié une gemme d'une grande valeur. Tout au bout, après une transaction. Le tunnel est solide. Je m'y connais. Par contre, il faut pouvoir planer 5 boules pour pouvoir en rentrer en voir le bout. Je ne peux pas le faire moi-même. Mes ailes ne supportent pas l'humidité. Bien sûr, tu seras récompensé. On me dégage. Ouais, on en a 6.
Ah bah écoutez, c'est par là. Hein. Ah ouais, mais c'est au-dessus là. Ah, tu veux que j'y aille comment dans ton conduit? Il faut y aller d'en face alors. Je sais pas si depuis le. J'arriverai pas à monter assez haut. Hein. Faut que je parte de l'autre côté pour aller dans son conduit. Parce que là c'est trop chaud, j'y arriverai pas. On fera ça plus tard. Ok, me voici, me voilà ici. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok, hein, déjà on va faire ça. Ok, parfait. Ah bah écoutez, je peux descendre. Hein. Voilà, parfait, comme ça j'ai pas besoin d'aller tout en bas. On va passer là. Il y a des œufs. Ok, alors je peux monter sur le frigo. Et là je peux sauter chez eux aussi. Ok, donc on va déjà aller chercher la clé. Alors je voulais pas forcément descendre tout en bas les gemmes. On ira après. Ok, bon, on a gaulé la clé, mais ils ont rien vu. Quand ton cœur fait boum. Ok. Donc là, on a tout. Je sais pas à quoi ça servait, ça, franchement. Ouais, c'était pour passer par ici. Ok, d'accord, j'avais vu la plaque, là. J'ai pas fait gaffe. Donc j'aurais pu sauter par ici. Ok, donc ça, c'est fait. Merci bien. Assez de ces rampants capricieux. Ils utilisent nos terres gracieusement prêtées et notre protection pour leur culture. Ils tentent de les envoyer dans la fosse avec les bousiers et de reprendre les choses en main. Je comprends votre sentiment très cher, mais les remplacer par qui? Par ces grands gaillards, tiens. Ils sont costauds et bien dociles. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à faire au final? Oui, patron. Tapez les lentilles, tapez les cuisiniers, tapez les marchands. Oui, non. Qu'en est-il de ce drôle d'individu à la tignasse? Il a l'air de diriger une vraie petite armée de travailleurs motivés. Il l'appelle Milodan, je crois. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Ok. Je peux le prendre, le croissant, là, ouais. Il faut que nous discutions, nous avons fait une terrible erreur. Ne m'en parle pas. Nous aurions dû botter le derrière de ces fainéants quand ils ont commencé à défier cette andouille de libellule. Jennifer et Emir. Ok. Non, vous vous trompez entièrement. Surveille ton langage. Conseillère. Des excuses. Je n'ai pas rejoint cette cour depuis longtemps. D'un point de vue extérieur, la raison de ce tumulte est apparente. Graduellement, les demandes des riches sont devenues de plus en plus grandes, mais notre rapport en gestion, en protection, lui, n'a pas changé. Ce que tu veux dire, c'est que notre offre ne rencontre plus leurs demandes, c'est ça? En d'autres termes, oui. Une telle révolte ne se déclenche pas par magie. Voyez donc cette communauté comme un marché. Il nous faut offrir plus ou demander moins. Ok. On reviendra. Ok. Mais que vais-je devenir? Sans bien, je ne suis rien, un malheureux, séquestré, affamé. Qu'est-ce que tu es, pingre? Pour une mythe. On ne devient pas le plus riche de toute la maison en dépensant ce qu'on a. Tu sais que tes petits-neveux adoptifs sont partis jusqu'à Sanctar pour prier Arduin et réparer leur toit. Allez, on est des profiteux, pas des monstres, vieille carne. Et oui, c'est pour ça que je suis effondré. Comment leurs prières vont être entendues si la cérémonie du très gros gâteau d'Arduin n'a pas lieu? Chérie, pas à moi, tu vas vraiment te prendre une baffe. Ok. Et toi, tu vas me dire taper machin, truc, truc. Non, il me dit rien du tout. Donc là, on peut aller ouvrir le frigo. J'aimerais bien me monter dessus d'abord. Ah,
Je sais pas si là ça va être jouable. En plus, je vois pas où je suis. Merci. C'est quoi ce truc? Ok. Ok, il y a un truc à faire fondre là, c'est ça. On va prendre ceci. Ah, donc là au-dessus du frigo, j'aurais tout pris, donc on va éviter d'y retourner. Là, on va choper ça. Il y a un petit chemin, je ne sais pas pourquoi. Ok, parfait. Hibernatus. Ok, nickel. Donc tout ça, c'est pris. On va monter là-haut, ne me sert à strictement à rien. Et aller en face non plus. Ok, bon, en tout cas, c'est fait. Donc maintenant, la clé. Voilà, parfait. Ok, Legion. On va passer juste là. Donc le yogourt. Voilà, merci. Hop. Donc faut passer ici, que je fasse une petite passerelle. On va péter tout ceci. Non mais dégagez là. Voilà. Ok, c'est parti. Et de toute façon, comme ça, ils vont attendre que les autres descendent. Comme ça, je peux péter ça en attendant. Voilà, ok. Ok, donc là, il n'y a plus rien. Je peux même pas faire appel à mes Tinikin. Et donc là. C'est parti. Voilà, parfait. Donc là, ils vont pouvoir descendre sur la planche. Ah, va falloir que je trouve ou foute ma dernière affiche, ce serait pas mal. Et que je scrute. En attendant qu'ils se pointent. Oh non. Arrêtez de me faire pivoter, les jeunes. Ah, ça, c'est fait. Je sais pas si là c'était mis. Ouais. Alors, il y en a peut-être une à aux quatre coins de la pièce. Hein. On va essayer de voir. C'est le fantôme lui ou pas? Ouais, c'est le fantôme. Ok, il n'y a rien d'autre. Bon, en tout cas, c'est fait, on l'aura vu. Voilà, merci bien. Ah, parfait. On va monter sur le yaourt. Ok les murs, je viens de jeter le yaourt et le beurre. Bon désolé, j'avais coupé mon record, j'ai oublié de le relancer avant qu'il me balance ça dedans, donc tant pis. Là j'aurai un truc à péter et j'ai aussi, juste sur les donuts là, à récupérer du pollen. La levure elle est juste là. On va peut-être tanker au-dessus alors. Ok, bah comme ça c'est fait. Donc là, est-ce que ça va touiller? Enfin, le truc là, ça va être un désastre. Ok. Un gâteau yaourt. Ok, donc faut aller choper le plat et le mettre dans le four qui est ouvert maintenant. Ah, je suis ici. Il n'y a pas un courrier de planquer quelque part, les jeunes? Ah, les petits œufs, c'est pris. Le pollen également. Donc 712. Et a priori, c'est tout. Donc là, je peux redescendre, mais moi... Ah non, 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 non. Faut qu'on monte. Faut que je monte assez haut. Pour passer là. Voilà, merci bien. Comme ça, ça, je le prends. Ah, aller de l'autre côté, ça va pas être possible. Le micro-ondes, on en a plus besoin. Donc, faut que je passe en haut. Faut à la rigueur que je chope. Le plat, ils veulent pas. On va faire ça depuis les airs. Voilà, merci bien, l'hygiène. Alors, direction le four. Donc, ils vont plus passer par là.
Alors, forcément que je fasse un pont. Peut-être un autre de l'autre. Ah non, ils vont pas lancer ça là. Ah ouais, ils sont motivés, hein. Waouh, quelle beauté. Commis d'office, ok. Une belle petite fête. Tout le monde il est content. Il me reste ma petite plaquette à mettre. Riches et pauvres réunis autour d'un repas. Ils rient, ils échangent, ils communiquent enfin. À nouveau, les enseignements de Darwin nous ont menés à la paix. Il est de tradition pour les libellules de recevoir une boule à thé à la fin de leur formation religieuse. Elle symbolise la volonté d'unir. Je voudrais vous confier la mienne. Je sais que vous en ferez bon usage. Ok, bon, on ira la prendre après. Carwin guide votre chemin. Ok, merci chef. Il reste toujours une pancarte à remettre. On peut peut-être faire ça pour pas tomber. Voilà, merci Ling. Ok. Non. Ok, libère-moi ça. Alors pour avoir le succès sniper, faut utiliser un Timikin pour péter un œuf. Comme ceci. Et après c'est fait. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Les libellules ont créé cette religion absurde, mais elles ont au moins l'air d'y croire. C'est sûr. Pour les mythes, en revanche, la foi n'est qu'un moyen de contrôler tout le monde. Donc Elaria, qui parle avec je sais pas qui, elles sont plus toxiques que la plus toxique de nos fleurs. Et Oberyn. On dirait que les libellules ne se plaignent pas non plus du soutien des mythes et de leurs armées de dynastes. Quelle alliance putride. Je suis sûr que je pourrais prendre un de ces gros tas en duel, lent et stupide. Non, non, je veux pas vous recoser là. Je voulais juste m'amuser avec l'escargot. Alors là, il me resterait un œuf à prendre. Ça c'est fait, là de ce côté il n'y a rien. Donc continuons d'escalader jusqu'au courrier. On va aller en face choper les trois brins de pollen et repartir par ici. Alors la plante. Ah, merci bien les jeunes. On va choper tout ça. Sans tomber, c'est mieux. Voilà. Ah, donc maintenant, il faut que j'aille sur le ventilateur. Donc, on va repartir d'ici. Et c'est parti. Soyons assez larges pour atteindre la petite plateforme. Et donc là, il faut que j'attende. Je peux pas partir d'ici. On va faire ça comme ça. Hein. J'ai loupé la porte. Non, je veux pas tomber. Oh non, s'il vous plaît. Non. Ok, cette fois c'est la bonne. Allons tout droit, sans tomber s'il vous plaît. Je veux pas glisser. Bon, faut que je me laisse un accès. Bon, faut que je pète ça direct pour si je retombe. Ah, merci bien. Ça, voilà. Zéro risque. Je crois qu'il y a un courrier juste en dessous. On est tapant le gâteau. On est par ici. Ça, on va le taper. Voilà, merci. Ça, je vais vite fait descendre. Choper le pollen. Et hop, je remonte. Merci, Bing. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent en haut? Ouais, il faut planer pour 5 bulles pour aller en face. Ok. Bah, avant d'y aller, je vais descendre juste en dessous. Il y a encore un courrier là. Et c'est tout les jeunes. Ouais, on va remonter là hein, dans ce cas là. Donc là ce serait tout bon. Donc c'est à partir d'ici qu'il faut que je m'éclate là.
On va monter au maximum et on va aller tout droit. Hein. Je sais pas si j'aurais pu frauder en allant sur le store là. Ça, on va péter. On va se faire un petit peu de glisse. Voilà, je peux passer par là. Alors avant d'aller plus loin, je veux bien regarder ce qu'il y a de ce côté. Ah merci. Ça, ça m'évite de revenir. Donc là, on va foncer par ici. Hop. Petite planche. Hop, on saute. J'ai pris tous les œufs. Oh non, vous déconnez. Je voulais faire un sans faute. Oh non. Bah, c'est sympa là, hein. Comme ça, on utilise un peu plus le skate. Voilà. Hop, on passe sur le côté. Ouais, on évite l'eau. Merci. Ah, donc là, on prend ce câble. On saute là. Hop là. Ah, dur. Voilà. Non. Ah, on va s'en sortir. Allez, c'est parti. La chute là. Hop, hop. Ici et là. On se loupe pas, merci. Ah, la sortie, c'est par là. Allez, on prend son bijou, on pète ça. Ah, comme ça, ça nous ouvre tous aussi. Super conduit de cheminée qui a fait du tout droit, il n'y avait même pas un trou. Ah, bah écoute, on va y remettre ça. Ah, faut que je trouve où mettre ma petite pancarte et faut que je trouve le dernier courrier. Bon petit, tu t'es pas noyé. Pas comme, enfin, c'est rien, oublie, tiens. Tout travail mérite salaire, j'imagine. Ça se trouve, son collègue qui s'est noyé. Ok, du poison. Chaos contenu. Artefact du musée trouvé. Ok, donc là, il m'en manquerait un d'artefact. Je crois qu'il me reste pas des œufs là-bas dans le placard, les jeunes. On a peut-être oublié d'en prendre. Ok, on va descendre et aller les chercher. Ok, alors nous revoici, nous revoilà. Et j'ai vu que... Putain, mais il n'y avait rien tout à l'heure quand on est passé ici. Il y a aussi du pollen à aller gauler sous le micro-ondes. Donc là, c'est fermé. Mais si on passe de ce côté, c'est ouvert. Il y a tout ça à prendre. Ça, c'est fait. Putain, il faut que je trouve ma dernière pancarte. Et là-bas, en fait, les loupiottes, les lampions, je pensais que c'était du pollen, mais en fait... c'est juste nos... Enfin, c'est pas du pollen, c'est juste les lampions, justement. Je sais pas... Ah, là! Ok, bon, en tout cas, bon, j'aurais trouvé où la foutre. Voilà, merci bien. Ah, jetons ça ici. Bien joué, camarade. Ah, ça se trouve, fallait que je parle avant, c'est ça? C'est bien connu, rien de tel que quelques affiches pour faire radicalement changer la vie des gens complètement opposés, corps et âme, à son idéologie. Tiens, dans l'esprit du partage. Il est où ce type? Ça se trouve, il fallait lui causer avant. On lui a même pas causé, bah avant justement. Il y avait genre un pied de verre à vin à côté de lui. Je peux pas te parler du truc, machin. Ah là. Non, j'ai même pas eu le mot. Enfin, du moins, les propos qu'il aurait pu me tenir avant. Bien joué. Donc, bon, je sais pas ce qu'il voulait. Ok. Je sais même pas ce que c'est les affiches que j'ai foutues au final. Moi, je croyais que c'était pour la fête. Ah ouais, c'est des affiches de propagande pour la grève. Ok. Donc là, j'ai 3 courriers. Il m'en manque qu'un. Ouais, il me manquerait un courrier, les jeunes. Il n'était pas ici. Bah écoutez, je vais partir le chercher. Hein, et puis bah, on se retrouve dès qu'on l'a. Hein. D'ailleurs, petit point. Donc il nous manque toujours du pollen. La bulle à aller récupérer. Et un courrier. Ok, mur. Je vois rien du tout avec mes loupiottes. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que l'autre, il pionce.
Mais il s'est déplacé. Je sais pas s'il s'est déplacé pendant qu'on cherchait la farine. Ou avant. Là, il n'y avait pas de courrier. Ok, mur, je suis en direction du bac à légumes. Eh bah, il n'y a absolument rien. Ou il y avait quelque chose. Ah ouais, non, mais si tout à l'heure je suis remonté, je pouvais pas utiliser mes tinikins. Ah là, on avait fait un chemin. Enfin, je vois pas où il est le courrier. Je vais retourner sur le. Sur le ventilateur. Ça me donne un point de vue central sur toute la map. Comme ça, je verrai. Attendez, je crois pas être allé en haut. Ah, il est là. Bah voilà, parfait. Il était dans le frigo avec tous les espèces de choux qui sont congelés. Ok, donc direction service postal. Maintenant, faut que je le retrouve. Il est posé. Il est pas posé ici. Il est dans un des meubles. Mais alors lequel? Ah ok, je sais plus s'il était de ce côté le service postal. On va aller voir. Je ne sais point si c'était... Il me semblait que c'était plus bas. Et au-dessus, il n'y a rien. Donc c'est pas ici. Putain, je sais plus où je l'ai vu la boîte aux lettres. Ah, il est là. Ok. Ok, à nous le pollen. Je crois combien je suis. 928. Putain, c'est à dire que j'en ai loupé quelque part. Mais alors où? C'est une bonne question. Je vais aller voir là tout de suite dans le coffre. Tant que j'y suis. Ok, alors là c'était des œufs. Putain, le pollen. C'est le seul truc qui me manque quoi. Ah bah écoutez, je vais aller chercher du pollen. Donc il y a d'autres trucs. Les fils de toile d'araignée, je les ai pris. Ah là-bas. Alors déjà pour commencer, on va gauler cela. Je sais pas si ça va être suffisant, mais bon. Ah ouais, c'est vrai qu'il fallait que je me perche sur le... Sur le meuble. Enfin... Du moins, la corde n'était pas descendue. Là, ça devrait le faire si on m'autorise à y aller. Ok, heureusement que je suis pas tombé. Merci bien. Alors, par contre, maintenant, le reste... À moins qu'il y ait des livres, mais j'en ai pas vu. Ah ouais, reste bien au milieu, s'il te plaît. La pendule, il n'y en a pas. Là-bas en face, on a tout pris. Bah, je vais refaire meuble par meuble. Et puis on va aller voir. Hein. Ah là, déjà. Ok, il faut que je m'éclate à trouver s'il y a... Ah, il y a un autre croissant qui traîne. Ok. Ouais, le croissant, s'il te plaît. Voilà. Bah écoutez, je vais aller choper du croissant un peu partout, alors. Là, il y en a encore un. Visez correctement, s'il vous plaît. Bah, je vais retourner voir sur toutes les tables. Et dans les restos en face, là. S'il reste pas des croissants. Et après, on va aller à... Bah, déjà, je vais commencer ici pour voir... Te parle. Vous avez fait des têtes, vous en avez bien coupé une ou deux, non? Machin, convaincre les hôtes à la paix sociale, ok. Les rubis, la terreur, les bruits des lames sans révolution, vous resterez des citoyens de troisième zone. C'est pas Foliana ici. Les gens s'énervent, mais tu leur files un bout de pain et ils sont contents. Limite d'en face à essayer de m'embrouiller. Comme quoi Arduin mangeait des morceaux de gâteau qu'on peut pas voir ou je sais pas quoi. Et que soi-disant, c'est pour ça qu'on l'avait jamais vu. Une belle arnaque, si tu veux mon avis, mais enfin.
Au moins, cette fois, on en profite aussi. Ouais, ok, moi, faut que je prenne tous vos croissants à la noix, là. Et que j'en fasse quelque chose. Ok, donc j'ai fait tous les petits meubles là-haut. Venez acheter mon bon sucre 100% officiel AOC, absolument officiel, comestible. Un peu gluant, mais appétissant. Ah, y a pas un truc planqué dans ton... Non. Est-ce que sur les donuts qui sont en train de pendouiller au-dessus? Là non plus. Et il n'y a rien. Hein. Ah, je vois pas où ils peuvent être les gènes. Hein. Je vais aller voir du côté de la ferme. Et je vais remonter en haut. Là, j'ai rien à détruire. Le petit minot. Bon comme le pain celui-là. Merci de nous avoir sortis de cette galère. On a pu réapprovisionner nos franchises. Ils vont avoir du pain sur la planche. Et ils s'en plaignent pas. Ok. Bon, écoutez, là, il n'y a rien. Je vais aller voir par là déjà. Et franchement, je sais pas où aller. Hein. Ok, les murs. Ah, il y a des bouts de pollen dans l'eau, là. Donc ça veut dire qu'il y a forcément peut-être moyen de fermer le robinet. Mais pas trouvé des... Ah, il y a le poids, là. Je sais pas si on s'en était occupé du poids. Ah ouais, pour déboucher le siphon, les jeunes. Ok, nickel. Yes, super Milo Bros. Ok, on est le roi du plombier. Ah, j'irai prendre la grosse boulette après. Je veux bien déjà prendre ça. Ils m'ont pris les autres. Donc, c'est parti. Dites-moi que c'est les derniers. Ok, nickel. Butineur gastronome. Ok, c'est parti, on peut y aller. On va aller voir l'autre tartampion. Oh, attends, à chaque fois, j'arrête pas de me gourer de touche. Ah, pour faire ça, alors il est où mon vendeur d'hydromel, là? Ah, ma petite goutasse. Bah, juste en face. Ok. Ambrose, terre de tradition. D'après les premiers brasseurs, c'est ici que l'art du brassage serait né. On comprend pourquoi le pollen n'est pas particulièrement savoureux, mais il est simple et abondant. Ce n'est pas ici que j'atteindrai le sommet de mon art, mais c'est un honneur de revenir aux sources du métier. Comme d'habitude, tu as travaillé avec ardeur. Tout travail mérite salaire. Voici le tien. Ok, 7e bulle, je crois qu'on a le maximum. Ou à moins, je ne sais plus si c'est 7 ou 8. Laisse-moi un peu de temps, je tiens à concocter cette cuvée. Comme le faisaient les anciens, j'en exposerai une bouteille sur mon étal avec une petite description, comme d'habitude. Bulle de planeur. Ouais, c'est l'avant-dernière. Ok, donc c'est-à-dire qu'il me resterait potentiellement deux zones, histoire que la dernière bulle que je vais récupérer me serve quelque chose après. La saison de la récolte est terminée pour nous ici. J'en ai bien peur, on décolle, enfin, façon de parler, j'ai pas d'aile. Ah, ok, donc nous, faut qu'on remonte en haut maintenant. Ok. Voici me voilà. Allez, c'est parti. Ça, on peut l'embarquer. Bon, au final, j'ai même pas parlé à Milo. Enfin... À Rimdu, Dumri, là. Et se trouve, faut qu'on aille vers la... Ah, il faut que j'en fasse un pont. Allez, messieurs, dames. Je sais plus où elle est la plaque, je crois qu'elle est de l'autre côté. Hein. Ouais, ils vont passer par ici. Ah, ils m'ont remis l'eau. Ah, peut-être que ça s'est vidé que d'un côté, pas de l'autre. Ah mince, je suis allé trop loin. C'est quoi leur problème? Mais... Ils veulent redescendre. Non mais c'est une blague. Ils rigolent ou quoi? Ils sont montés ici pourquoi alors?
Faut m'expliquer là, je capiche pas. Ah ouais, on vient de la table. Mais attendez, on est venu ici, mais comment on est descendu de là? Putain, j'ai complètement... Ah oui, d'accord, ok. On s'est fait un pont pour aller en face. Il fallait sur un pont pour redescendre. Ok, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Ouais, elle est en face, la plaque. Ouais, entamer la descente. Voilà, comme ça, on fait ça. Et je viens ici. Hop, hop, hop. Je vais appeler tous mes Tinikin. Et à l'autre, là, il faudra essayer de voir pourquoi, d'ailleurs. Ouais, elle. Donc là, on les a tous, là, on les a tous. Là, cité de Sanctar, il m'en manque 245. Donc, il faudra y retourner, hein. Reconstruire la machine d'Arduin. Bah, il nous manquera que le coquetier. Cinq composants. Tu sais ce que ça veut dire? Il nous en manque plus qu'un. Chrysal est par là. Derrière, c'est taxé. Passe par là. On sera prêt à y retourner. Ok. Bah ouais, je suis prêt. Bah écoutez, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si t'es le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Et survivez bien. Impressionnant Milodan. Ah mais c'est de chaque côté, hein. Enfin juste en train de fabriquer un casque ou je sais pas quoi. Nous avons ajouté un nouveau composant à la machine du grand Arduin. Ce bidule est la pièce maîtresse de ce projet. Il sert enfin à... Fais-moi confiance, d'accord. Il est actuellement dans le parc de Célérion. On va enfin s'amuser un peu. Il faut qu'on passe par Transidor, suis-moi. Bon, on fera ça la prochaine fois, les jeunes. On dirait qu'on est en train de construire un casque ou je sais pas quoi là avec votre truc. Puis on fera un petit bilan sur toutes les trappes qui ont été ouvertes ou non. Mais ça fait une tête bizarre, quoi. Ou de robot ou quoi, mais nous faut d'abord qu'on retourne à 5 tard la prochaine fois. Et là, ouais, Transidor, faut qu'on aille à Transidor. Il me manque du pollen, il m'en manque 50. Je sais pas où ils sont, faut qu'on les rigole. Et là, il me faut tous les Tinikin. Et je comprends pas pourquoi j'en ai aucun. Donc faudra retourner les gauler pour voir. Peut-être que je les ai pas tous récupérés, qu'il reste des œufs à péter, c'est pour ça. Mais 0 sur 2,45, ça me semble un peu léger. Alors toutes les zones c'est bon. Donc cité de Sanctar la prochaine fois. Et après Transidor pour notre prochain lieu de rendez-vous. Cette fois c'est la bonne. Je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Et survivez bien. Excellent. Oh donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne. Par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.